Nous sommes très attachés à la fraternité Saint-Pierre de Dijon, à nos prêtres que nous aimons beaucoup, qui savent toujours se rendre très disponibles. C'est vraiment une grande famille. La fraternité Saint-Pierre nous apporte énormément pour notre vie spirituelle, au niveau enseignement, au niveau liturgie, au niveau moral, et c'est quelque chose d'irremplaçable dans notre vie de chrétien. Après plusieurs dizaines d'années à oublier notre foi, il nous a aidé à la retrouver au point de... Pour ma part, en tout cas, prépare ma confirmation. Grande fierté, un grand plaisir. Quand je suis arrivée pour la première fois dans cette paroisse, je me suis tout de suite sentie accueillie. Moi, je l'ai vécu il y a 6 ans de ça. Donc vraiment, je peux en témoigner. Ce sont des gens qui ont un très grand cœur et qui savent inclure les personnes dans la vie paroissiale. On vit la foi, l'espérance, la charité, mais surtout on essaye d'approfondir la charité. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas jugé, on vient comme on est, et voilà, on est accueilli tel quel. Si je vais à la messe, c'est grâce à la Fraternité Saint-Pierre. Grâce à la Fraternité Saint-Pierre et à l'abbé Paris, on va être baptisé l'année prochaine. Le point positif de la réforme liturgique de ces dernières décennies, c'est qu'elle n'a pas empêché la belle liturgie traditionnelle de continuer à être célébrée. Et sincèrement, est-ce que l'inverse n'aurait pas été flippant pour une église qui cherche à être ouverte à tout le monde? C'est l'unité de l'église dans sa diversité. Si je viens ici, c'est pour la beauté de la liturgie de la messe. Personnellement, je suis organiste liturgique dans une autre paroisse et j'aime beaucoup venir à la basilique pour la beauté de la liturgie, la qualité de la chorale et des chants qui nous portent vraiment dans la prière. Je suis très attaché au Saint-Père. Ce qui est important, c'est d'être unis au pape et à notre évêque. La fraternité Saint-Pierre, c'est la messe ici le dimanche, mais c'est aussi tout le reste. Pour nous, c'est un bon complément aux équipes jeunes et ça nous permet d'approfondir notre foi. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas ça. Les abbés, ils sont super. Ce que j'aime avec les abbés, c'est que c'est le caté et le patronage. C'est génial, le patronage. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Oui. Ça va? Moyenne, quoi. Là, elle démarre vraiment sur la pointe des pieds. Oh, j'en suis arrivé. C'est déjà l'essentiel. C'est déjà pas mal. Allez, à toi. Je vais confesser à la basilique. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous dit qu'il n'y a pas assez de prêtres, et puis on remercie les prêtres qu'on ne remplace pas. On ne peut pas imaginer que ces grandes familles et ces pasteurs soient disloqués aux 80. J'aime beaucoup notre évêque, mais là, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Convaincu que Monseigneur va revenir sur sa décision, parce que c'est pas possible, personne ne la comprend. Ce serait bien d'avoir un ou deux abbés de plus. S'il vous plaît, ne nous les enlevez pas. Rendez-nous nos prêtres. Le Saint-Esprit souffle, j'ai confiance.